Et gros YouTube, on est un peu bloqué parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à faire. Et c'est emmerdant. C'est quoi? Il y a un truc qui bouge là-bas. Difficile pour les yeux normaux de discerner ce que c'est. Je vois bien, c'est une tache floue. Aucun doute là-dessus. C'est bizarre. Il y a un truc qui bouge là-bas. Est-ce que ce serait pas... Mais oui, c'est Bobo Bozo, en grand danger. Je dois parler de ça à Barry. Ah, ça va être ça le scoop? Ok. Putain, il fallait le voir, le bébé Bozo, hein. Barry, j'ai un sujet. Vraiment, c'est quoi? Viens, je vais te montrer. Oh, on est très haut. Arrête de geindre et prépare ton appareil. Ce que je m'apprête à faire, je ne le ferai qu'une fois. Si la photo est ratée, on se recommencera. Accroche la corde au crochet. Voilà ce qui devrait être un magnifique piège. Parfait. C'est sûr qu'un collier soit l'idéal dans cette situation. Bah bien sûr, je vais faire ça à la cowboy. T'aimes les cowboys, n'est-ce pas? T'aimes les cowboys Dodo, le DJ de la radio locale. Mais je ne vois pas trop comment on rattrape un bébé avec un collier. Parce que ce n'est pas un vrai cowboy. Bon, laisse-moi faire. T'en pars ton appareil. Genre, je me la soupe. Ah, il va juste aller de l'autre côté, non? Et le voilà piégé. Alors, qui est le plus malin? Ah, mais là, il va forcément se passer un truc qui m'empêche, non? Attends. J'ai une idée, attendez. Grimper sur la poutre? Oh là là. Ah, il le fait. Rufus, ça fait partie du plan. Je comprends, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Peut-être qu'en me montrant du doigt. Au bout de la corde, je sais pas si je pourrais. Très bien, j'arrive. Courage, Barry, ne regarde pas en bas. Ne regarde. Oh. J'ai réussi. Eh ouais, je t'ai dit. Ouais, c'est ça. Quand tu auras fini de te prélasser sur le reflet de ma gloire, je penserai à prendre la photo. J'ai déjà du mal à me tenir. Prends cette foutue photo. Bon, d'accord, la photo. Et bah voilà, ça a très bien marché. Tu trouves? Je me souviens même pas de ce qui s'est passé. Alors, tu as loupé le meilleur passage. Et j'ai pris une photo. Et quelle photo? Laisse-moi t'emporter ça un moment. Photo héroïque. Et on a bébé Bozo, ok. Alors, attendez, du coup, j'ai la photo héroïque. Faut que j'aille retourner voir Bozo là. Hop, Bozo, on lui montre le dernier truc. La photo héroïque. Hey Bozo, Bozo, que vois-tu sur cette image? Tout ce que je veux, c'est... Il a dit quoi? C'est le diable. En quoi, c'est moi, on a sauvé un petit enfant en détresse. Pas possible, que t'es viré. T'as viré, frère pas dingue. Et il avait dit quoi pour le premier? Hey Bozo, que je m'en souvienne, que vois-tu? C'est atroce. Oh, montons une chose pareille. Ok. On a tout, il n'y a plus qu'à faire les mêmes réactions. Alors, le cabinet c'est là. Et je veux une thérapie. Ok. Alors, refaites-moi le jeu de cartes. Ok, en train de s'écraser sur des poignards. Vous êtes angoissé par l'apocalypse imminente. Oui, parce que je suis un gros mort tout flippé. Je préfère se cacher dans son lit plutôt que de porter assistance à toute sa vie dans leurs aventures super cool. Je crois que nous faisons de vrais progrès. Image suivante alors. C'est atroce, pourquoi montrer une chose pareille? Intéressant. Vous pouvez me dire pourquoi vous réagissez avec tant de dégoût? Aucune idée. C'est peut-être à cause des complexes parce que j'en ai quelques-uns, il paraît. Enfin, je veux dire, oui, tout à fait, absolument. Il y a des tonnes de complexes qu'il faut traiter avec des médicaments. Il y a encore trop tôt pour établir mon diagnostic. Mais il nous reste une image. C'est le diable. Un diable séduisant, je dois l'admettre, mais néanmoins, c'est le diable. La situation est grave. Selon mes analyses, vous avez toutes les raisons d'être déprimé. C'est comme si une étrange personne avait transformé votre vie en cauchemar. Vous avez vraiment besoin de médicaments. Est-ce que vous avez besoin de ma pharmacie? Pardon? Ah, oh, c'est vrai, malheur à moi! Pauvre pas perdu que je suis, je préfère ça.
Ok, y a quoi là-dedans? Vomitif. Antidépresseur. Ok. Antidépresseur pour Bozo. Ah bah attends, il va jamais vouloir. Ah. Si j'ai mis dans la soupe, ça fait quoi? Je mange l'antidépresseur à la soupe, il sera beaucoup plus facile de les faire avaler à Bozo. Il est écrit qu'il ne faut pas dépasser 2 comprimés par jour, mais Bozo est grand comme 2, il est frustré comme 10. Oh, et puis zut. Allez, zout tous les flacons, il va y venir que guerrière. Ok, Bozo! Viens prendre ta soupe. Non, non. Oh non, bébé Bozo! Tiens, vomi. Oh non. Oh, ça va être dégueulasse. Oh non. Enough. Ça suffit. Arrête right immédiatement. Personne n'a besoin de ton aide. Et surtout pas pour sauver le monde. Parce que personne ne veut vivre dans un monde où un type comme toi peut prétendre être un héros. T'es pas un héros. T'es qu'un gros connard. Et tu vas tous te faire tuer. Mais tu ne t'en rends même pas compte, parce qu'on est bien tous trop sympas avec toi. Oh Rufus, il ne l'a pas fait exprès. Mais bien sûr qu'il fait exprès. C'est ça ce qu'on pense vraiment. On se dégage, on se dit que tu vas crever enfin. Et que tu veux nous aider, hein. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne crèves pas comme un chien? C'est ce que je me sens mieux. Je me sens libéré d'un poids. Je pourrais faire face à n'importe quoi, je... Oh, Rufus, ça va? Bon, le pirate, te revoilà. Oh bon sang de bois, on dirait bien. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Il faut aller au camp d'Herbel. Laisse-moi le temps d'enfiler mon manteau. Et moi j'ai vraiment pété un câble. C'est peut-être pas plus mal de tout déballer finalement. J'étais si énervé, si méchant. Et pas préfère complètement honnête. D'une certaine manière, tu fais peut-être partie des gentils après tout. Oh. Ok. Et voilà, tu es prêt? Ouais, allons-y. Ok. Mais du coup, les trois autres, on s'en branle. C'est sûr que c'est bien, Rufus? Complètement sûr. Je crois qu'il y en a plusieurs comme lui qui se baladent dans les parages. Ok. Ok, tu m'as convaincu. Vous pouvez entrer. Ah. Garleth, qu'est-ce que tu fais là? Et où sont les autres? Ils sont à l'Assemblée Générale. Là quoi? Comment peut-il tenir une Assemblée Générale sans moi? Ni Janosch, ni toi, ni Nibold. On doit garder la porte. Mais alors personne de notre vieille bande n'assiste à l'Assemblée? C'est scandaleux. Tu vas dire deux mots à son nom général. Impossible, le général ne veut pas te déranger. Et si Gagnon attaque, on fait quoi? Ça n'arrivera pas. Gagnon a battu en retraite. Tiens. Tente quoi? Une tentative de corruption. Bien tenté. Peu importe, la porte restera fermée. Putain, casse les couilles. Là, j'ai tiré. Qu'est-ce qui se passe? L'organe attaque, nos deux pieds, Plibolt. Quoi? L'organe nous attaque, pour de vrai? Ouais. Tous au canon. Ok. Hop là, on verra après ce qui se passe. C'est Tony. Hein? Oh putain, il y a notre vieux Doc. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet endroit a l'air noir, noir profond, la couleur de... Oh, laisse tomber. Dites que vous avez bu. Laisse-le tranquille. Tony? Alors c'est toi qui commande ici maintenant? Pas vraiment. Ah, c'est son père! Je dirais que c'est moi. Papa? Je veux dire, Sigul? Appelle-moi Général Sigul. Qu'est-ce que c'est que ce loup? On m'a tiré dessus et je suis tombé dans la mer rouille. Puis un requin est arrivé et m'a mordu la jambe. Heureusement, une baleine passait par là et a mangé le requin avec moi. J'ai dû combattre le requin dans le ventre de la baleine jusqu'à ce que la baleine avale une pieuvre vénéneuse géante. C'est alors qu'elle a vomi la pieuvre, le requin est au milieu de la mer de Tesson. Ça explique l'odeur, mais pas comment tu t'en trouves général. On perd un plan, Rufus, écoute-le. Contrairement à tout ce que tu as tenté jusqu'ici, celui-ci va marcher. J'ai du mal à contenir ma curiosité. Tu vas en faire sauter l'Elysium en plein ciel. Hé, ça me saute déjà, je vois. Tu veux faire quoi? Tu ne peux pas faire ça. Et si je peux le faire? Doc a construit ce canon. Et l'idée d'intervention de Tony a capturé un destructeur de planète de l'organon.
Mais je veux dire, ça ne se fait pas. Ils ne savent même pas qu'on existe. Et tu veux qu'ils l'apprennent avant qu'ils ne nous réduisent en poussière? C'était l'idée, oui. Alors que fais-tu ici? C'est compliqué. En ce moment, je ne suis pas seulement là, je sauvegarde en même temps. Et je retarde le départ du dernier transarien jusqu'à ce que nous soyons à bord. C'est vrai, il s'est cloné. C'est comme si nous n'avions pas assez de problèmes. Tu es un monstre. Je ne suis pas un monstre, Rufus. Je vais te donner une chance. Vas-y, épate-nous avec ton opération de sauvetage. Mais... Non, non, ça ira, Tony. Laissons Rufus essayer et échouer une fois de plus. Quand le dernier transarien partira sans Gaulle, nous aurons encore le temps de faire sauter Elysium. Qu'en penses-tu, Rufus? As-tu suffisamment confiance en toi pour accepter ma proposition? Tu parles que oui. Attends, il va se passer quoi? Les rebelles nous attaquent! Tous à vos postes! Ok. Transporteur de marchandises, on y va. Une belle opportunité de m'éclipser, mais d'abord je vais me débarrasser de ces types. Ça devrait être la dernière caisse. Transporteur de marchandises vers le transarien peut être coupé pour l'instant. Je vais en profiter pour regarder un peu Cowboy Dodo. Ok. Le baril. Je vais barrer, c'est bon. Parce que l'étiquette indiquant sa destination est manquante. Attends. Parce que là, on va pouvoir se passer les choses logiquement. Le collecteur. On regarde, on voit où. Ok, j'ai compris. J'ai saisi l'idée. Vers le campement, non, vers la lumière. Ok. C'était quoi? Y'a quelqu'un? Hello? Dans mon imagination. Non mais sérieux. Ok. Attends, il faut que je bouge le baril. Ah, that's probably because the label with the destination. Et si je vais dans l'autre, ça m'amène où? Rien faire là en fait, je suis bloqué là. On s'en fout. Open vote. Ok, je peux rien faire. Rien du tout, je suis bloqué. Vas-y, va par là. Ok, on retourne voir le collecteur. Parce que là, il y a une chaîne, et la chaîne peut mener quelque part. Ok, attends toi. On est au niveau de l'égout, là. À tous les coups, ça vient là. Rien. Personne n'est mis sur cette fréquence en ce moment. Et lui, il a quoi, lui? Excusez-moi. Elysium. La prise. Seagull s'attend à ce que je fasse quelque chose de stupide. Mais je ne lui ferai pas ce plaisir. Ça me plaît bien. Un autoportrait sur le tirelire. Attends, on va essayer d'en parler. Où est le sauvetage premier la dernière seconde? Oh, c'est bon, on n'est pas aux pièces. Tu trembles. Juste froid. Ah, peut-être ne sera pas de refus. Je ne sais pas, Rufus. Ton père n'a pas tort. Ok. Doc, désolé, Rufus. Seagull a raison. C'est notre dernière chance. Il y a une prise. Ça pourrait être que. Ne me dites pas. Je peux faire quoi avec tes impressions? Parce que, à part la prise. Euh...
Je t'aurais dit pour trouver ça. Je t'en veux pas la balancer par la tête comme ça. Mais là, il regarde la fenêtre. Donc s'il regarde la fenêtre, lui, il peut l'appeler. C'était quoi, y'a quelqu'un? Hello? C'est mon mode de jeu aussi, on dit qu'il y a personne, putain. Comment je peux faire pour monter? Je peux pas aller dans les... Je peux aller que dans une canalisation. Attends, mais je peux lui donner le babyphone, non? Ok. Je peux lui donner des trucs là. Allez, je lui donne tout. Non, c'est lui. Est-ce que je peux faire un truc éclatant? Comment je peux vraiment monter là, en fait? C'est ça que je comprends pas. Donc vers la lumière. Vers le campement. Les gosses sont encore là. Ok. Ah, la tirelire, oui. Warman. J'ai l'argent, sans autiste. Non, je veux dire que j'ai assez d'argent pour acheter la Sinuclique. Impossible. Six outils, alors ça, j'aurais jamais cru qu'une telle somme puisse exister. Il ne me reste plus qu'à arriver à les dépenser. Amusez-vous bien. Ok. Ok, donc j'ai tout. C'est vrai que j'avais besoin d'acheter la Sinuclique. On peut donner à Ghoul maintenant. Pour qu'il grandisse. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai ici? Où est Ghoul? Le gros a tout craché et il est parti. Bon, au moins, il ne vous est rien arrivé à vous. Mais Usti, quoi? C'est pas Usti, moi. Puis franchement, je m'en souviendrai s'il y avait eu un troisième gâche. Mais moi, vous êtes tous fait à toi et Bidule, là. Une chose qui compte, c'est où est Ghoul? Dans le tunnel. Juste derrière. Alors, il ne doit pas être bien loin. Toi, tu restes là. Pas laisser toute seule. C'est toute seule avec un T, je vous jure. Goalie! Ah, je la vois. Mon soulagement! Attends, ne bouge pas, je vais te sauver. Bon, attends, déjà. En allant là. Hop. Rufus, qu'est-ce que tu fais à tout? Qu'est-ce qu'il croit? Je fais tout le boulot. Me fais pas rire. Je me suis frayé un chemin à travers la moitié du cul de l'organon. Et tu as réussi à arrêter Argus? J'y travaille. Tu as réussi à faire grandir Ghoul? Je suis presque. Un pouce, une gueulante si tu as besoin de quelque chose. Donc toi, ne me fais pas rire. En même temps, peut-être. Prends ce que tu veux. Ok, c'est bon. On peut commencer à se partager des choses. Alors. Elysium. Voilà. Elysium. Express recipient. Les frais de port sont payés par le destinataire. Rentre dans le baril. Ah mais faut que j'éteigne. Ah faut que j'éteigne, mais c'est lui qui peut le faire ça. Non, c'est pas ça. Youhou. Je peux peut-être te donner. Je lui donne tous les autres trucs. Ok. Alors. En arrivant là. Je vais essayer là. Voilà. Je peux aller là. D'accord. Ouais. Ahem.
Y'a quelqu'un? Hello. Hello. Mais ça alors, il reste encore un peu à la destination d'Elysium. Je me ferais de me dépêcher de l'expédier. Même si je me demande pourquoi le gouverneur élyséen peut bien vouloir un baril entier rempli de pensu. Ah putain. Oh putain, Go, elle s'est fait aspirer. Ok, tiens bon, Go, j'arrive. Ok. Bon, ça devait être le dernier baril. Le gouverneur sera content. Je vais lui faire mon rapport tout de suite. C'est dégueulasse, mais ça valait le coup. J'ai enfin réussi à arriver jusqu'aux douanes d'Ascension. Je suis arrivé une bonne fois pour toutes de cette ville des Epistrophies. Attends, la boîte est désormais libre jusqu'aux côtes d'Ascension. Attends, mais il est où l'autre? D'accord. Les codes d'Ascension. Coffre. Il ne va pas faire ça sans connaître le code. Ça pourrait déclencher l'alarme. Dictaphone. Le dictaphone d'Arius. Jette un coup d'œil. Memo, la carte touchée dans le coffre, la combinaison est. 4-4-3-7. Retour idiot, très bien, c'est réglé. Maintenant, je dois mettre ces vêtements ridicules et récupérer la cartouche. Cowboy Dodo. Oh, de mec, je me suis mal barré là. J'ai pas pu finir la combinaison du coffre. The cartridge is in the safe. The combination is. Huh? What was that? Anybody here? Y'a quelqu'un? C'était juste. Faut que je fasse plus attention. Avant d'effacer le message, je devrais mémoriser la combinaison. Mini cartouche, dictaphone, d'accord. Je peux pas bouger. Ah, sous le bureau. Ok. Génial, maintenant j'ai l'air d'une chochotte. Bon, je suppose que c'était le plan. Qui au passage est presque arrivé à son terme. Il ne me reste plus qu'à récupérer la cartouche dans le coffre. Sinon j'arrive à me souvenir de cette stupide combinaison. Openbot! Vous m'avez appelé? Un intrus! N'importe quoi pour crétin ce Marius. Juste enfiler ce costume grotesque pour l'invasion Elysium. Va bien alors. On peut pas laisser tomber l'invasion si les gens continuent à perdre mes affaires. Cette fois-ci, c'est mon dictaphone qui a disparu. Ça te dit quelque chose? Eh bien, je crois que je vais devoir vérifier dans la mémoire. Qu'est-ce que t'attends? Ces cafouillages à répétition mettent en péril notre succès. Coupez l'alarme. Ok, vers la fenêtre. La fenêtre. Qu'est-ce que c'était? Voilà qui est mieux. Attends. What if there's actually somebody who looks even. That's. Alors attends. Ok. Je vais aller à la fenêtre. Hop. On va l'utiliser. I better not try. He's already. Ok. On s'entend, c'est pas mon déconner. Bah oui, je sais. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ok, on va le regarder et je vais éjecter la cartouche. Je peux jeter la cartouche ou pas? D'accord.
Est-ce que je peux mettre la mini carte sur le bureau? Ah, j'ai trouvé. Le téléphone devrait se trouver juste derrière vous. Bon, d'accord, je sais bien. Parlons d'Ulysse. Petit à petit, tu as la raison. C'est comme si refus était contagieux. Petite pause, open boîte. Ok. Bon, et maintenant? Ah, rien. Je pas que tu es encore en panne, tu gadgets en toc. Allo, parle-moi. Tu m'entends, parle-moi. Allo. La cartouche est dans le coffre, la combinaison est 4-4-3-7. Onze de blouse, je savais qu'il y avait un 7 dedans. Qu'est-ce que c'est? Rien de bonheur. Est-ce que vous allez bien? Arrête-moi si tu chouettes l'arme tout de suite. Mais vous êtes bien sûr d'être vous-même, monsieur. Open bot. Quel est le bouton qui coupe l'alarme déjà? Dans celui-là? Non, celui-là? Ok. Ok. 4-4. On ne peut écouter le message ici, ton copain est dans le coin. Chier. Ah, ça doit être le bon bouton. Ça a marché, gouverneur. Excellent. Je me permets de vous demander comment s'est produit cet incident, monsieur. C'est chavé. C'est d'avoir rentré correctement à la combinaison. C'est juste, je n'y crois pas. Oui, encore passer cette saloperie. Open bot. Oui, mais mon dictaphone n'avait plus. La fuite à mémoire. Putain. Non, c'est lui. Donc ça on l'a déjà vu. Donc attends, il a mis l'alarme. Ah, j'ai pas essayé d'ouvrir, j'ai d'ouvrir la fenêtre. La combinaison était qu'à un DBIL. T'es qu'un débile. Ouais, non, c'est ça. Hein. Ok, c'était bien ça. C'était bien ce qu'il fallait faire. C'est juste qu'il faut ouvrir la fenêtre, je sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord, j'ai saisi. D'accord. Ok, donc là, il va fouiller. Ok, on va là-bas. Ouvrir la fenêtre, tu n'entendras rien. Ok. Il montre ça. Et là, je peux faire ça. Je re-rentre, la fenêtre est ouverte. Je repasse derrière le boulot, je coupe l'alarme, comme ça je pourrai entendre. Voilà. Tac 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 tac. Voilà. Ok, la fenêtre est ouverte, je peux aller dehors. In the safe. The combination is 4473. Uh-huh. 4473. Just like Goal's birthday. 4473. No, wait, wasn't that 4437? Or 4347? Ah, who cares? Just as long as it's easy to remember. 44 something. It's similar to Goal's birthday. Okay. I feel an
The cartridge is in the safe. The but darn it, I need to try it. The cartridge. But darn it, I need to. The cartridge. Mais là, il lui a dit le vrai truc, ce con. Il lui a dit clairement le vrai truc. C'est un débile. Alors. The cartridge is in the safe. The combination is 4437. Et 4 dans le coffre. Mais ça, on sait ce qu'on a fait, 4437. Qu'est-ce que... Toi, viens de l'honneur. Est-ce que j'irais bien? Attends, c'est ta arme. D'accord. Ok. Il faut que je fasse quoi, moi, du coup? Quelle est l'utilité de ce que je viens de faire? Attends, on rentre là-dedans. On repasse derrière et rééteint l'alarme. D'accord. Excellent. Si je savais, je suis sûr d'avoir commencé. Attends. Alors. Il va le refaire, mais là. Ok, on va recouper l'alarme. On va faire en sorte qu'il se trompe à foison comme ça là. Je vais voir avec les répétitions ce que ça peut donner. Parce que là il croit qu'il devient fou. On enchaîne. S'il se foire 3 fois de suite, peut-être qu'au point de boîte il va se dire, mais attends, c'est quoi ce bordel? Eh bien. Ok. On recoupe l'alarme. Ça marche, le gouverneur. Et est-ce qu'il lui répète la même chose? Non, comment c'est produit cette façon? Qu'est-ce que je suis censé faire? Bon, on s'arrête là, YouTube, et je te reprends juste derrière. Bisous.